Vicente, que aussi lui. Bonsoir à tous. Que aussi lui qui a voilà. Une étoile tout fraîche. C'est ça, donc c'est déjà un grand plaisir et un grand honneur d'être à Zurich pour la première fois pour moi. Pas pour du tourisme, mais pour du travail et pour quelque chose qui est quand même assez impressionnant, d'être sur une scène, de faire la cuisine, c'est pas du tout notre quotidien. Mm-hmm. Nous, on est plutôt voilà, à la maison tous les jours avec nos clients, nos équipes. Mais je suis voilà, honoré d'être invité à Zurich. J'ai Giuseppe qui maintenant est chef d'un restaurant ici et qui a été mon sous-chef pendant 5 ans. Voilà, c'est aussi l'occasion de le présenter, de l'inviter avec moi sur scène, de faire un petit peu de cuisine. Voilà, donc Giuseppe. Quatrième génération des chefs de cuisine de très haut de gamme. On est né dans une famille où la gastronomie fait la plupart de la vie. C'est la joie, c'est... Oui, c'est la joie. Moi, si j'ai choisi de faire ce métier, c'est parce que j'ai vu mes parents heureux au travail. Et voilà, j'ai toute mon adolescence voulu faire autre chose que de la cuisine, ouais. Parce que le monde autour de moi me prédisait cuisinier. Alors, t'es un petit trois gros, tu seras cuisinier. À l'adolescence, on est un peu rebelle. J'ai dit non, je veux tout faire sauf de la cuisine. Ouais. Et mes parents m'ont encouragé parce qu'on a choisi, autant ma sœur que moi, que mon frère, on a choisi chacun notre métier. Et voilà, et j'ai vu mes parents heureux, j'ai vu que ce métier me plaisait à l'âge de 18 ans. Et puis, je suis rentré à l'école hôtelière et puis j'ai commencé à travailler chez Rostand à Paris, chez les frères Roca à Gérone, mm-hmm. Avec Joanne, Joseph, Jordi, toute la famille, et puis chez Thomas Keller en Californie. Oui. Voilà, et ces maisons m'ont transmis beaucoup de valeurs, de techniques, mais aussi de valeurs, les valeurs de l'hospitalité, qui sont les fondements de notre métier. Voilà. Mais quand même, vous avez voulu quitter la maison pour aller au Japon. Ça n'a jamais arrivé. Voilà, c'est ça. J'ai, en 2010, j'ai pour projet de passer une année au Japon pour faire une expérience. Et début 2011, l'événement de Fukushima a retardé un petit peu mon voyage. Et puis finalement, je ne suis jamais parti. Je suis resté aux côtés de mon papa en cuisine. Et puis après, nous avons eu le projet de la nouvelle maison où nous sommes aujourd'hui à Ouche. Et puis tout est allé très vite. Et maintenant, voilà, je suis pleinement engagé dans cette transmission familiale. Avec mon frère aussi qui vient de nous rejoindre en cuisine. Et voilà, on a plaisir au quotidien à accueillir les gens chez nous, bien sûr, parce que c'est encore une fois, je le dis, notre métier, c'est donner du plaisir et c'est accueillir. Ouais. Quand la famille Trogrois a décidé de changer un peu du terrain, tout le monde s'est demandé, mais le monde est plus. Oui, on était face à la gare de Roanne depuis 1930, mmh. depuis... 4 générations, mais toujours locataire. On n'a jamais pu acheter les murs. Et voilà, en 2012, mes parents ont un peu ras-le-bol de cette situation. Et en même temps, l'environnement proche du restaurant ne correspondait plus à ce qu'on faisait. Donc on a décidé de prendre le risque de déménager. Déménager à quelques kilomètres, mais à la campagne. Oui. On a trouvé une vieille ferme, un manoir, qui d'ailleurs... Peut-être passer. Non, ça marche pas. Voilà, les photos. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est Jean et Pierre, mon grand-père, mon grand-oncle, la famille c'est aujourd'hui. La fiancée qui est là aussi. Voilà, ouais. Fanny, Fanny, Lisa, la compagne de mon frère Léo, et mes parents. Ouais. Donc, aujourd'hui, on travaille avec Pierre et Michel. Ouais. Donc, nous avons eu la chance de trouver ce manoir et cette ferme. Qui était une habitation privée et nous en avons fait l'acquisition et nous l'avons transformé en hôtel-restaurant. C'est un lieu incroyable qui a beaucoup d'histoire, mmh. Un parc de 17 hectares avec une énergie et une biodiversité incroyable. Et donc aujourd'hui, on fait vivre, voilà, on a un étang, on fait vivre ce lieu à notre manière, simplement. On y accueille les gens chez nous. Voilà, on continue l'histoire, on se renouvelle au quotidien, on se remet en question. La cuisine Trois Gros aujourd'hui, c'est,
C'est la cuisine de Michel et César, ou de César et Michel, et maintenant aussi mon frère Léo. Léo, oui. Et c'est simplement une évolution de tout ce que nous faisons depuis 80 ans, avec sans cesse l'envie et l'insatisfaction aussi de ce qu'on fait, et tous les jours de vouloir peut-être modifier, changer, évoluer, se poser des questions, tant dans l'assiette que dans la façon de recevoir. On prend des risques, mais les risques sont payants parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes très épanouis là où nous sommes et nous avons fait le bon choix. C'est bien de travailler avec eux, avec la famille Trois Gros. Super. Ok, alors ouais, la famille et la maison Trois Gros au cœur. Beaucoup appris, beaucoup vécu. Mais Giuseppe, il est... C'est mon frère italien, parce que on se ressemble beaucoup. Pourtant, on a aucun lien familial. En tout cas, on n'a pas trouvé encore les liens. Il faut parler avec Michel alors. Ouais, ouais. Mais nous avons des origines italiennes parce que ma grand-mère était du Frioul, oui. De Udine, et Giuseppe est de Naples. Donc il y a quand même une distance. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de mélange, mais peut-être que. Alors. On y va ? On y va, alors... Dès que j'ai des questions, je les pose, ouais. Sinon, je vous laisse. Filvenu. Merci. Donc, j'ai préparé, je vais essayer, si on a le temps, de préparer quatre assiettes qui sont un petit peu le reflet de notre cuisine aujourd'hui, où le végétal prend une place de plus en plus importante. Aussi pour vous montrer, et en tout cas essayer de vous faire comprendre que s'exprimer dans un nouveau lieu, lorsque nous avons quitté Rouen pour Ouche, a rapidement influencé notre façon de cuisiner. En tout cas, je pense que ce qu'on a fait à Ouche, on ne l'aurait pas fait à Rouen, ou alors différemment. Avec encore plus de pureté dans les assiettes, encore plus de simplicité, aller à l'essentiel et toujours recentrer bien sûr nos assiettes sur le produit et la simplicité, la sincérité, la pureté, aussi bien sûr toujours une forte présence d'acidité parce que nous sommes convaincu que pour nous l'acidité c'est la lumière en cuisine, donc chaque fois on s'amuse avec des condiments, des choses qu'on traite et qui viennent donner du peps. Alors cette première assiette c'est simplement une asperge blanche qu'on a travaillé un petit peu comme des tagliatelles et qu'on va donc tagliatelle froide. Hein. Voilà, je vais faire un montage comme un petit nid, un nid d'asperges avec donc des encornets qui vont ramener aussi un petit peu de texture. Alors les asperges, elles sont à peine blanchies. Voilà, donc elles ont gardé cette texture. J'essaie de les manipuler en les. Je m'applique parce que il y a les photographes qui mettent la pression là. Voilà. Donc en fait c'est une assiette froide à déguster d'ailleurs plutôt ou à l'italienne avec cuillère fourchette ou peut-être même comme un soba japonais avec des baguettes. Donc ensuite, il y a quelques petites choses quand même qui viennent finir. Donc ça, c'est des fleurs de Sichuan, des feuilles, pardon, c'est des fleurs. Donc de Sichuan que nous avons planté chez nous à Ouche. Et hier, en me baladant dans le parc, j'ai vu qu'ils étaient en train de commencer à fleurir. D'ailleurs, il y a des petits bourgeons. Et ces feuilles de Sichuan sont,
sont très parfumés. Donc on va agrémenter notre asperge avec quelques feuilles. Voilà, quelques petites fleurs de coriandre aussi. Ça, c'est des petites choses qui sont en train de sortir dans le jardin. Et c'est vrai que je pense que pour un cuisinier, le printemps, c'est un moment incroyable parce que on sort de l'hiver, on en a marre des produits d'hiver, on n'attend qu'une chose, c'est les fleurs, les petits pois, toutes ces choses-là, les asperges. Et c'est vrai que dès que ça arrive, on est impatient de pouvoir cuisiner avec. Voilà, ensuite, bien sûr, un petit assaisonnement quand même. Donc ça, c'est une huile de noisette. Voilà, qui va amener un peu de gourmandise. Et à la manière dont je parlais du Japon, d'autant que je parle de l'Italie aussi, mais voilà, le soba japonais qui est régulièrement servi, d'ailleurs toujours avec un bouillon glacé. Donc voilà, ce bouillon-là, bon, ça coule un peu à côté, mais on va nettoyer. Ce bouillon-là, c'est un bouillon de rhubarbe qui est infusé avec le séchuan. Donc, alors ici, donc on a la feuille et le séchuan, donc on a récolté à l'automne dernier et qui est séché. Donc on l'a infusé dans notre jus de rhubarbe, un petit peu de sel et c'est tout. Voilà. Donc ce plat est plutôt une entrée très fraîche avec beaucoup de texture, l'asperge très croquante, les encornets un peu croquants aussi. Et la vivacité d'un jus de rhubarbe qui vient réveiller tout ça. Donc voilà, on peut imaginer de le servir comme ça. Voilà. Donc, première assiette. Voilà, notre cuisine est très simple. Hein, vous allez voir, je vais pas utiliser de technique. Infaisable, voilà, juste des petites choses comme ça qui se marient bien entre elles. Donc la rhubarbe avec le côté floral du séchuan, ça fonctionne très très bien. Voilà, merci Giuseppe. Donc deuxième assiette. Si je vais peut-être un peu trop vite, je sais pas. Ça va? La deuxième assiette, ben d'ailleurs, c'est pas à l'écran, mais je vois ici. Donc c'est un plat qu'on a appelé cosa croccante, en italien, qui veut dire chose croustillante. Et alors en fait, le point de départ de la création de ce plat, c'était utiliser les épluchures de carottes. Donc voilà, un jour en cuisine, je travaillais avec les cuisiniers, puis on épluchait des carottes pour faire peut-être un plat du personnel ou je sais plus. Et puis ces épluchures-là, je me suis dit tiens, c'est dommage, on les met au compost. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire quelque chose avec? Et puis simplement, j'ai pris une poêle, je les ai fait un peu caraméliser, je les ai égouttées parce que j'avais mis trop de gras. Je les ai égouttées sur un papier et je me suis rendu compte qu'elles étaient croustillantes comme des chips. Et qu'elles étaient très bonnes. Et de là, j'ai dit, tiens, il faut qu'on fasse un plat avec ces épluchures de carottes. Et donc, on a agrémenté, en fait, voilà, ces épluchures de carottes qui sont frites, croustillantes. Et on vient les agrémenter avec pas mal de petits condiments pour en créer, finalement, une salade de carottes qui peut, voilà, quand on le dit comme ça, sembler très commune. Mais on a essayé de la rendre originale, vive. Donc on a une petite purée de piments qui est faite avec des piments du jardin, un peu d'ail, du vinaigre. Donc là on va doucement parce que ça envoie quand même. Les câpres. Hop là. Voilà, donc le cercle c'est uniquement pour tenir la salade.
Donc là, ces épluchures de carottes frites, elles sont très très délicates, elles sont très très fines. Quelque chose qui est important, c'est l'économe, parce qu'en fait, on épluche la carotte à l'économe. Et tous les économes n'ont pas la même épaisseur de lame. Donc on s'en est rendu compte au fur et à mesure de la recette. Et donc l'épaisseur de la lame est très importante pour avoir cette finesse et ensuite cette texture très croquante. Donc les carottes, ouais, je mets quelques herbes, du cresson. Ça, c'est des citrons qui ont été saumurés. Donc citron, une variété bien particulière qu'on appelle le citron Meyer. Il y a un citron très doux et l'écorce est assez incroyable. Ça, c'est une herbe qu'on appelle le raoram. On connaît aussi cette herbe sous le nom de coriandre vietnamienne. Donc c'est une herbe qui est très très parfumée, qui est beaucoup utilisée en Thaïlande, au Vietnam, au Laos. Et on a réussi à en faire pousser dans notre jardin. Donc on n'en met pas beaucoup parce que c'est très fort. Un peu d'oxalis. Je peux me passer le fenouil et la coriandre, s'il te plaît. Voilà, ça c'est les jeunes pousses de fenouil sauvage. Ils sont actuellement aussi en train de sortir dans le jardin. Voilà. On fait un petit montage, hein, très simple, comme une salade, mais voilà, il faut. La délicatesse de la carotte fait qu'on est obligé de monter tous les éléments un à un et non pas de les mélanger dans un bol et ensuite de dresser l'assiette, sinon on casse tout. Donc, aussi les fleurs de ciboulette. Voilà, ça c'est aussi du jardin, la ciboulette qui est en fleur depuis quelques jours. En fait, cette salade, il n'y a pas vraiment de recette. C'est la base, les carottes frites, et puis on vient s'amuser après avec tout ce qu'on a. Ça c'est donc la poutargue. Je pense que tout le monde connaît parce qu'on n'est pas loin d'Italie. La poutargue, donc, c'est les œufs de mulet qui sont salés et séchés. Donc là. L'idée, c'est de ramener un petit peu d'umami dans notre salade. Voilà, on a aussi une version où on ajoute des petites crevettes grises poêlées au moment, comme ça, qui ramène ce parfum umami. Voilà, donc l'assaisonnement. Pour finir, qui est bien sûr, on utilise des épluchures, mais il faut aussi utiliser quand même toute la carotte. Donc l'assaisonnement, c'est la chips d'ail à la fin, et ceci, c'est un jus de carotte qu'on a centrifugé et qu'on fait réduire pour concentrer le goût, et avec un petit peu de jus de citron pour ramener de l'acidité. Voilà. On vient assaisonner notre salade avec ce petit jus de carotte qui est très frais. Aussi acidulé. Voilà cette cosa croquante. Donc la troisième assiette, c'est un plat aussi que nous avons créé depuis que nous sommes à Ouche, qu'on a appelé d'une façon très poétique. C'est « Coucou, je suis caché sous le chou ». Donc « Coucou, je suis caché sous le chou », c'est parce que c'est, voilà, c'est en fait des escargots cachés sous une feuille de chou. Donc en fait le point de départ de cette recette c'était le chou grillé ou le chou toasté, en tout cas la saveur du chou toasté qui est très particulière et que j'apprécie beaucoup
Et voilà, je suis parti de là, j'ai dit, tiens, faut qu'on essaye de faire un plat avec ce goût de chou, caramélisé, toasté, croustillant même, quand on fait poêler des choux comme ça assez vivement à la poêle, on arrive à avoir les extrémités qui sont croustillantes, et ce goût sucré, amer, umami du chou, voilà, j'avais envie de le retranscrire dans un plat. On est passé par, bien sûr, de multiples étapes. Et puis, d'ailleurs, ces recettes-là sont encore amenées à évoluer parce qu'une recette n'est jamais terminée, je pense. Et donc, on a fait une version avec des huîtres, on a fait une version avec des coquillages aussi, des coques. Et puis, on est tombé sur l'escargot et voilà. Et tout de suite, il y a eu un lien entre l'escargot, le chou, bien sûr, qui s'est fait par hasard, mais c'est arrivé, voilà. Et puis ensuite, il y a eu une esthétique de la feuille de chou caramélisée qu'on trouvait très belle et qui rappelle ce chêne, ou en tout cas ces feuilles, voilà, ce chêne qui prône au milieu de notre salle de restaurant. Et esthétiquement, ce plat a pris beaucoup de sens aussi dans la maison de Houche. Donc, on a 3-4 éléments. Du navet, qui est les navets nouveaux, qui sont taillés finement en julienne, et puis marinés au vinaigre. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait en conserve. Et c'est un petit peu ce qui va amener aussi l'acidité dans notre plat. Donc, moi j'adore ça fait du bien. C'est une gourmandise. Ensuite, donc les escargots. Giuseppe, tu vas poêler les escargots au beurre avec une gousse d'ail écrasée. Il est bien acide. Donc en fait, la feuille de chou, tout simplement, le chou est blanchi. Et puis, on détache ces feuilles, on leur donne une forme, un petit peu une forme, voilà, légèrement parée pour lui donner une forme d'arbre, de feuille. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut d'ailleurs. Alors. Ça, c'est bon. Vas-y, hein, tu peux commencer, Giuseppe. Donc, les escargots, alors pareil, ça, c'est un produit qu'on trouve beaucoup chez nous, autant de manière sauvage, et la cueillette a lieu au mois de juillet, le ramassage, et puis il y a toute une technique pour faire dégorger les escargots, les cuire, et puis ensuite, on les met en conserve. En bon bourguignon, les trois gros ont toujours gardé cette tradition chaque été. Nous avons les ramasseurs et on fait nos escargots, hein, Giuseppe ? Donc on fait 8 000 escargots pendant le mois de juillet. Et après, on les a en conserve toute l'année et on peut s'en servir. Donc la feuille de chou. Ensuite, ça c'est la cuisson, donc le jus de cuisson des escargots, qui est réduit. Et en fait, voilà, je viens juste comme ça l'ajouter autour de ma feuille. Et en fait, ce jus réduit va caraméliser. Et va renforcer ce côté croustillant, caramélisé du chou. Donc ça prend un petit peu de temps, hein. Ce jus en fait il réduit, il caramélise, la feuille de chou caramélise. Pendant ce temps on s'est adressé nos escargots. Voilà. Dessus
un petit condiment. Tiens, vas-y, Giuseppe. Ça, c'est un condiment de zeste d'orange et avec un petit peu de curry. Voilà, la feuille de chou, là, elle est bien toastée. Juste pour pouvoir la décoller plus facilement, je viens hop, la glacer. Et là, voilà, on se retrouve avec cette feuille de chou qui est juste voilà, incroyable, très belle. Pour moi, ça me touche quand je vois quelque chose comme ça. C'est un plat qui est très pur, très beau. Tout simplement, on pourrait aussi y voir voilà, une feuille en décomposition, quelque chose qui serait en train de pourrir dans le compost. C'est peut-être pas très élégant, mais moi, je trouve ça... Ouais, ça très beau. Et puis aussi un arbre, je sais pas, il y a une feuille, la vie, un arbre généalogique. Voilà, l'escargot. Donc c'est pas mal, on a fait 3 assiettes, ça va vite. Ça va. Je pensais qu'on allait prendre plus de temps. Il en reste plus qu'une, alors c'est bon, on pourra prendre le temps d'échanger. Alors la dernière, bien sûr, c'est un dessert. C'est un peu de sucré pour les gourmands. Donc c'est un dessert aussi qui a été fait à Ouche. Le point de départ de ce dessert, c'est une œuvre d'une artiste suisse qui s'appelle Sylvia Bachely. Et voilà, qui fait beaucoup de travaux, mais une série de peintures où elle, voilà, c'est des traits comme ça qui sont alignés, des strates. Et avec papa, hein, on est tombé par hasard un jour sur une photo de cette œuvre-là. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de travailler un dessert comme un millefeuille, mais où ce serait que des strates très très fines et successives. Et donc voilà, on est parti de là et puis on s'est amusé avec des tuiles, des meringues, des fruits, des légumes. Et voilà, le résultat est donc ce que je vais vous présenter. Donc on a des tuiles. Donc ici on a une tuile de navet, tuile de rhubarbe, tuile de chou rave, qu'on appelle le kohlrabi aussi ici peut-être, ou le spoutnik chez nous. C'est un chou qui ressemble au spoutnik, au satellite russe. Et ça, c'est une tuile d'appareil à cigarette. Des blancs d'œufs, du sucre et du beurre. Donc, on a deux crèmes, une crème au miel, une crème au citron. Là, tu viens, Giuseppe, on va prendre les couteaux, ouais, prendre les deux. Voilà. Donc la base, alors ça, d'ailleurs tout comme la causa croquante, sont des desserts et des assiettes qui se font dans l'instant et qui doivent être consommer dans l'instant, parce qu'elles ont des textures très intéressantes, mais des textures qui sont presque éphémères. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteront déguster d'ailleurs les assiettes à la fin de la démonstration, certainement que la carotte aura un petit peu ramolli, et le dessert aussi, mais voilà, donc c'est monter et consommer, normalement, au restaurant. Donc ça, c'est juste des petits suprêmes de pamplemousse. Et là, on va commencer notre montage. Donc, crème au miel. Donc, le miel. Donc, ça, c'est un miel d'arbousier, qui a une amertume et un côté floral aussi très intéressant, qu'on aime beaucoup utiliser. Ouais, on va se mettre ça comme ça. Voilà, donc le premier étage. Donc là, ça c'est la crème de citron. Donc là, ensuite notre tuile
de chourave. De nouveau la crème au miel. Ah, c'est très délicat. Donc ça, c'est la tuile de rhubarbe. De nouveau la crème de citron. Alors, voilà, donc la dernière tuile qui est celle de navet, je vais la saupoudrer légèrement d'une poudre d'agrumes. Voilà, donc c'est un dessert très délicat. Et ensuite, voilà, par accident, en faisant les essais de ce dessert, on s'est rendu compte qu'en venant mettre un coup de couteau au milieu, voilà, de cette façon-là, voilà, le papillon s'envole. Et voilà, c'est un geste que on réalise en salle devant les clients. Voilà, le papillon. Bon, on a autre chose, Giuseppe? Non. J'espère que ça vous a plu quand même, parce que ah oui. Pour nous, c'est un exercice pas facile. On peut appeler ça la simplicité difficile. Hein? Oui, exactement. Ça, hein? Ah, c'est toujours plus dur d'enlever des choses que d'en rajouter, mm-hmm. et d'étonner avec très peu. Voilà. Ouais. Ça, c'est tout nouveau. J'ai lu il y a quelque temps un interview avec Michel, papa, où il a dit, j'ai parfois essayé de reprendre les vieux recettes des ancêtres et de les refaire d'une nouvelle façon. Et là, j'ai appris que parfois, c'est mieux de rester sur ce qui existe et de ne pas changer ses recettes. Pour vous, c'est comment? Par exemple, ouais. avec le fameux saumon. Là, c'est des plats qui sont intouchables parce que c'est des choses qui ont fait l'histoire en même temps de la cuisine française, ouais. L'histoire aussi de notre famille. Après, je pense que je suis étonné que mon papa ait dit ça parce que on travaille beaucoup les anciennes recettes. Ouais. Et même des recettes qu'on faisait il y a 2 ans, on s'amuse à les refaire. Et 2 ans après, on se rend compte que ça ne nous plaît plus. OK. Parce que, en tout cas, ça plaît aux clients. Mais nous, on se dit, tiens, pourquoi on a fait ça comme ça? Je ne comprends pas. En fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Pour moi, la notion du plat signature, finalement, c'est un peu hors du temps. Il y a une cuisine signature, mais un plat signature, ça veut dire qu'on fige une assiette à un moment donné, à un temps donné, et qu'on ne la touche plus. Et la cuisine, elle est faite pour vivre, je pense. Les produits ne sont jamais les mêmes. Chaque jour, ça change. Chaque jour, on doit se donner la liberté, mm-hmm. de pouvoir faire autre chose dans sa cuisine. Okay. La notion de liberté est très importante. Et notre palais évolue beaucoup de jour en jour. Et la preuve en est que quand on goûte nos assiettes, nos recettes, 2 ans après, on ne se comprend plus nous-mêmes. Okay. Donc, voilà, la preuve est qu'on évolue, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mm-hmm. Quelque chose qui est dicté par notre vie, par notre inconscient, par notre héritage aussi. Nous avons un héritage très fort que dans toutes nos assiettes, nous essayons de respecter. Alors ça, c'est des assiettes, bien sûr, plus contemporaines. Mais voilà, c'est des choses où je pense qu'il y a un esprit fort trois gros. Aujourd'hui, la cuisine à Ouche, ce sont des plats voilà, de César, de Michel, mais il y a toujours nos idées qui sont mises ensemble. Giuseppe a bien connu ça.
Et ensuite, on fait une partie de tennis un peu avec papa. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se contredit. Et puis, voilà, quelque chose arrive, quelque chose en résulte. Et puis, au bout d'un moment, il faut le servir au client. Et quand on le sert au client, une recette, pendant 3 semaines, on est encore en train de travailler dessus parce que quand on multiplie la quantité, c'est très différent. Quand on a le retour des clients, quand on essaye de savoir comment ils mangent, pourquoi ils n'ont pas mangé cette petite chose-là, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Donc, voilà, on ne fige jamais les choses. Mmh, mmh. Une autre chose que j'ai appris maintenant pendant ces 40-45 minutes, vous avez utilisé le mot « amuser » ou « amusement » 29 fois. J'ai compté. Ah mais il faut que je fasse des cours de speech. Non, c'est pas ça que je veux dire. On voit pas seulement en scène que ça, c'est l'amusement, on le voit aussi, ou bien on l'entend aussi, et on le voit sur les assiettes, je crois. Alors, amuser, avoir la joie pour faire quelque chose, ça, c'est une grande... une bonne chance pour ouais. La cuisine. Oui, je pense que notre métier, voilà, on doit le vivre avec plaisir, comme tous les métiers. Si on fait ça, c'est pour la vie, donc il faut que ce soit un plaisir. Et si nous, on ne se fait pas plaisir, comment peut-on donner du plaisir ? Mmh. Et on est là pour donner du plaisir. Chaque jour, midi et soir, on reçoit du monde et on leur donne du plaisir. Mmh. Donc soi-même, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, il faut que les équipes se fassent plaisir. Alors après, bien sûr, il y a dans nos maisons, avec le niveau, la rigueur, etc., il y a une exigence, il y a un sérieux, qui c'est pas la colonie de vacances. Mais voilà, autant le faire, le métier, avec le sourire, dans la bonne ambiance, parce que tout le monde s'exprime mieux comme ça. Okay. Et d'ailleurs, je pense que chez nous, les clients ressentent cet esprit, tout comme moi, j'étais très marqué, Josep est là. Voilà, j'ai travaillé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans chez Roca. Et quand j'ai fini mon stage là-bas, je n'ai pas compris tout. Et puis, des années après, j'ai commencé à comprendre. Et chez Roca aussi, c'est une affaire familiale avec beaucoup de personnalité et où la famille Roca donne sa vie au service des clients et pour le plaisir des clients. Et ça, peu importe le niveau auquel on se trouve, un bistrot, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est la même chose. Mmh. On est là pour donner et puis aussi recevoir, parce que recevoir le bonheur des gens. Ouais, juste entre nous, dans la famille Trois Gros, entre Michel, Léo et vous, on se casse parfois la tête. Oui, mais ça va jamais jusqu'au point. On s'arrête avant. Non, oui, bien sûr, on se contredit, mais la contradiction, elle est positive. Et puis, je pense qu'on a... On a la chance d'avoir des parents, ma maman, mon papa, qui au quotidien, aujourd'hui, depuis déjà quelques années, depuis que je travaille avec eux, maintenant il y a Léo, ont en tête cette idée de transmission. Mm-hmm. et de partager le patrimoine, mm-hmm. c'est une chose, mais aussi de partager ses valeurs et de les partager de façon douce, ouais. Et de transmettre, de mettre en avant. Voilà, si aujourd'hui je suis là, j'ai la chance d'avoir un père qui me laisse m'exprimer en tant que César Trois Gros. Mmh. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité de leur part. Et pour nous, ça permet petit à petit de se sentir bien et aussi d'avoir beaucoup de respect pour eux. Mmh. Mais pour continuer une maison comme la vôtre, il faut non seulement la volonté de la jeunesse pour participer, il faut aussi avoir la sagesse des vieux de lâcher. Bien sûr. Oui. Ça marche ? Ça marche parfaitement. Mes parents l'ont très bien compris. Ils ont déjà reçu un héritage. Mmh. Ils ont déjà vécu une transmission qui est différente de celle qu'on est en train de vivre. Donc, ils ont cette expertise un petit peu de savoir comment on doit agir, comment ils doivent agir avec nous et comment nous aussi, on doit être. Et en fait, il faut beaucoup d'humilité dans ce métier, je pense, ouais. Autant dans la façon de cuisiner que voilà, la façon de transmettre.
Et je pense que notre famille a toujours eu à cœur de faire les choses le plus honnêtement et le plus simplement possible. Et nous, on peut que continuer, en fait. Après, j'espère qu'on aura les capacités. Ouais, bien pour l'instant, on n'est pas tout seul, donc voilà. Mais, mais en tout cas, on a la chance d'avoir des parents qui investissent, qui s'investissent et qui font pour que l'affaire, pour que la famille, pour que le nom Trois Gros soit encore là pour quelques années à venir. J'espère. On a vu aujourd'hui avec José Proca que, aussi pour moi une petite surprise, qu'il travaille avec une psychologue qui fait ce travail chez vous. Il y a aussi un psychologue, non, une psychologue qui s'occupe un peu des gens, qui s'occupe un peu du personnel. Non, mais pourquoi pas, ce serait bien. Je ne pense pas qu'on ait pour l'instant la nécessité de faire intervenir quelqu'un, parce qu'il me semble que bon voilà, on n'a pas de problème. Non, il faut pas parler des problèmes. Anticiper de mieux comprendre les gens, d'anticiper des choses pour mieux les pouvoir clients réagir. Ou le personnel. Les clients et personnel, les deux. Mais je découvre, voilà, je vais en parler avec Joseph, qui m'explique. Pourquoi qu'il vous lâche pas la psychologue pour trois jours, hein? Alors. Ouais. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es macht Spaß, also beiden jungen Herren, ihm im Ornellaia, hier neben der Bahnhofstraße, alles Gute für die Verteidigung des Sterns und des Anstrebens eines neuen Sterns vielleicht noch ein bisschen in die Hände zu legen, aber zuerst mal das bestätigen, was da ist und dann neue Ziele setzen, oder? Il n'a pas compris, mais c'est pas grave. Moi non plus. Genau, haargenau. Und auf der anderen Seite, für die Familie Trois Gros, wo ich ganz großer Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie nicht nur die Einfachheit zelebrieren und das auf einem Weltklasse-Niveau, sondern sie sind geblieben, was sie sind. Jeder von ihnen, also ich kenne mittlerweile mit ihm die dritte Generation, und jeder von ihnen ist geblieben, was er war, ein Koch mit beiden Füßen auf den Boden und macht einen super Job und hinterfragt sich jeden Tag aufs Neue. Und das ist eigentlich das, was man in meinen Augen sehr gut lernen kann von diesen großen Persönlichkeiten und Köchen, Chefs, die wir hier an der Chef Alps kennenlernen dürfen. Je viens de dire que ne vaut pas la peine d'aller à Ouche. Ah, non, si. Bien sûr. En tout cas, c'est tout près. C'est 300 km d'ici. Oui, c'est vrai. C'est 5 heures. Un peu à l'ouest de Lyon, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Oui, exactement. Superbe région. J'aime beaucoup. Et je me réjouis de vous retrouver ce jour à Ouche. Merci beaucoup. Merci. Vielen Dank. Und ein herzlichen Applaus für Giuseppe und César.